Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc je reprends ma petite partie où on en était là. E, c'est pour rejoindre Modène. Allez, bon, sans branle, un crédit de plus après tout. On rassemble. 1,05. Ah ouais, mais est-ce que je suis en train de recruter là? Un moulin. C'est combien de jeunes armés? 20,12. J'ai plus de manpower. Bon, les emprunts, on a des emprunts. Ah, défenseur de la foi, on a du fric, on claque. La province d'Umbria. Ok. Ok, donc là. Au niveau Corinne, on est où? On est parti repasser sous les 100%. Ligurie. La Ligurie, ça, on va prendre. Chier ça. Ligurie. Ligurie. Hop, on est bien. Ensuite, Italie centrale. C'est ça, Italie centrale. Voilà. Ensuite, Carniole. Carniole. Ok. Ah oui, l'Autriche, j'avais pas vu. L'Autriche, il reste plus grand-chose. Oh, Salzbourg, il a grossi. Salzbourg, c'est quoi tes relations? Et tu ne l'aimes pas, toi. Ouais, on va se calmer un peu. Les Aïnous. Les Aïnous. Une trousse avec les Aïnous. Allô, les Aïnous. Non mais attendez, comment on peut avoir une trousse avec les Aïnous? Qu'on comprenne. Qu'on comprenne. Les Aïnous, vous êtes alliés avec qui? D'accord, ouais, bon ben, j'avais une trousse avec les Aïnous, comment je sais pas, mais voilà. Ok, et là, moi, ce que je veux faire, c'est m'orienter vers le Timouride pour aller prendre ces putains de territoires par là-bas. Donc là, on va se calmer en Europe, au niveau de l'expansion agressive. Ouais, l'anglais, bon, il a des rebelles qu'on poupait un peu partout, mais ça, c'est pas grave. Il devrait les gérer sans trop forcer. Les pirates de Tunis ont rasé les côtes de Malte. France se prépare à attaquer Chantal. Nos troupes sont en Modène. Ouais, ça c'est presque pas grave. Ouais, bah c'est bon. Ok. Donc à partir de là, est-ce qu'il y a des endroits où on peut baisser l'autonomie? Après, je vous dirais non, de toute façon, on peut courir par contre. On peut pas courir. On va attendre que ça finisse. Les rebelles, il y en a où? Les comtés venaisins, Provence et Fol... non, ils peuvent pas. Comtés venaisins ou Provence? Comtés venaisins, ils sont à 17, Provence à 22 en développement. Donc, théoriquement, ils peuvent en Provence. Hop, là on se fait raider par Tunis. Je pense qu'on va répéter l'histoire, à savoir on va aller défoncer le cul du Maghreb pour éviter qu'il nous casse les couilles et nous raser. Voilà, et ensuite il reste Parme. On va se taper une coalition de l'espace. Putain. En Provence, voilà, ils ont popé, c'est bien ce que je pensais. Là, fausse. Bataille de Provence, ok. Ok, donc là, il n'y a plus de risque de brouillon. Il y a les zélotes catholiques à Gênes. Eux, on va les faire s'entraîner. Eux, ils s'entraînent. Et eux, ils s'entraînent. Et tout le monde s'entraîne.
Moins 26, où est-ce qu'il part mon fric? Maintenance des armées, maintenance des forteresses, lutte contre la corruption. Eh ben, la corruption, on va un petit tout petit peu s'en battre les couilles. Ouais, moins 4, comme ça on est un peu plus tranquille. On va attendre que la coalition se calme. L'Espagne, là, je pense que ça va piquer. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Comme Serikai allait taper tout le monde. Non, mais il allait taper tout le monde de tous les côtés. On va se taper une coalition, je vous l'annonce. On va se taper une coalition de l'espace, les gens. Bon, 1,31, ouais. Technologie, c'est en quoi? En militaire, et ben on prend. Les doctrines, on en est où? Là. On monte notre professionnalisme, les doctrines, c'est où là? Moral terrestre, capacité. Salzbourg a fait de la Bohème, enfin de l'Autriche, son. Oh putain. Et Bonchacon, la trousse avec la France là? 70 dans 5 ans. Voyons, voyons, voyons. On intègre l'autre. Nouvelle Provence, Provence, ouais. Appel aux armes. Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle. Voyons, Timouride. Le Timouride, est-ce qu'il a pensé à mettre des zones d'intérêt, le poteau Serikai? Il a pas mis le troisième. Bah, oui, bah, on va mettre Brandenburg. Ensuite, est-ce que tu as pensé à mettre des zones d'intérêt? Non, tu n'en as pas mis. Mais pourquoi faire? Ah, je vais te buter, Serikai. Le nœud de Perse. Erat. Hop. Ferra et buste. Bella. Ah non, on s'en fout, c'est Hormuz. On s'en fout, c'est Hormuz. Donc tout ça, on s'en fout pour l'instant. Lui, on s'en fout. Hop, 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 hop. Ça, on prend, 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 prend. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et là je vais prendre jusqu'à Bayezid, Erevan, Grand Chat, tcha tcha tcha. Voilà. Et Daguestan, je crois que j'en veux pas. Voilà. Et si, il y a ces deux-là, bah, je les ai déjà. Ok. Timurid. Ouais. On ramène les trois armées, on les ramène là. Lui, on le ramène là.
La flotte, bon, la flotte, on s'en bat les couilles, hein. Ok. On est repassé en positif, donc on est à 11. Donc à 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va claquer 5 et 4, 9. Voilà, on fait ça pour l'instant. On ramène nos troupes chez nous. Ah, gain de stabilité, putain, mais je prends. Magdebourg. Andebourg à gauche. Non, que dalle. Dépendance, non, ordre. Alors, est-ce qu'on peut raqueter un peu les... l'anglais? Ah non, on n'est pas à 200. La Hongrie, 133, non. Ouais, si, et puis l'Angleterre, pareil. On va rembourser comme ça, on rembourse nos prêts. Siphonnons, siphonnons. Voilà, plus 10. La lutte contre la corruption, on va garder ça par là. Voilà, allez hop. On va aller là-bas, on va envoyer une armée essentiellement au combat. Les autres, elles vont se contenter de regarder. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on a combien? On est à plus 4. Bon, on va prendre celui-là. Malte. Voilà. Là, on va aller libérer ça. Loubec a rejoint, ouais. Circassie en guerre contre Georgie, non. On va aller se mettre là-bas, Kermanshan. Bon, on va l'attendre à Ordalan. Mida. Occupé par Nagour. Allez, on va aller à Choustar, lui. Ah non, on l'envoie là-bas en attendant. L'Espagne se prépare à nous déclarer la guerre. Alors là, j'annonce, on va se faire défoncer. Mais défoncer, ça va être infâme ce qu'on va se prendre sur le coin de la gueule. Je vous l'annonce de suite, ça va être une putain de guerre. Je prends ma flotte déjà, je me casse. Je retourne à Constantinople. Byzance s'occupe Choustar. Ouais, super, je suis trop content, ça change ma vie. Allez, on va s'occuper de ça là-bas. Lui vient là-bas, ok, donc on va attendre qu'il soit loqué, on y va. Lui va là-bas. Ok, on envoie une armée là, l'autre armée là-bas. On se souvient, il m'a donné tout ça. Voilà, la guerre, allez. Putain, putain, Serikai, mais c'est bien de grossir, mais tu nous as foutu dans une merde. Russie vient, on a l'autre qui vient. Il y a combien d'hommes en face? 300! Ah, quoique! Quoique, je dis ça, mais au final, ça pourrait peut-être le faire. Après, l'avantage, donc déjà, je t'annonce,
Ah, tu vas aller t'occuper. On va s'occuper Manzadaran là directement. Lui, on va aller le défoncer là-bas. Ah, une deuxième coalition qui se forme. Lisan s'occupe à Vaz, ouais. On va baisser un peu la vitesse parce qu'il y a plusieurs trucs. On va aller s'occuper des autres à côté. Là, on va pas s'emmerder, hein. Canon. Canon. Allez hop. Ah, il y a le Mameluk aussi. Bon, on va s'occuper de ça là-bas. Donc lui, il va aller s'occuper du Mameluk. Bataille de Bassora, ok, bonne nouvelle. On va aller prendre Mamelouk, Jérusalem, c'est pas grave. Spagne, occupe-toi, occupe là-bas, pas de soucis, fais-toi plaisir. Ok, on va prendre ça là-bas. Le Mamelouk, on va le défoncer aussi. Nos sujets, on va leur dire de protéger, d'être en défense. Et moi, je vais m'occuper de défoncer tout ce qui traîne. Voilà, hop, ça c'est bon. Le Caire est assiégé. Par quoi c'est assiégé? Par 1000 hommes, mais super. Bougez pas les gars, il y a les Russes qui arrivent, il y a tout le monde qui arrive, on va vous épique défoncer. Là, bam, on va dire à la Hongrie de le prendre. On va remporter le siège de Kiatif. Ok, on va aller prendre là-bas, sa capitale à lui. Qui dans la guerre? Toute la coalition, donc là on va les nage il est déjà un 12. C'est quoi ça? Des séparatistes d'Ardabilienne, ça c'est bien. Ah là, on a remporté le siège de Helteik. On va aller par là-bas. Tabrouk, on va demander aux Russes de s'en occuper. Tabriz assiégé. Remporter le siège de Al-Harid. 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 Donc là, on va aller défoncer son armée. Voilà, ok, Najd, une armée là, une armée là, une armée là. Voilà, on va le défoncer, on va faire sortir Najd de la guerre déjà. Notre armée est arrivée au Caire, l'autre, bon, il a disparu, donc on va aller prendre sa capitale. Non, bon, on va aller à sa capitale. S'occupe au fouf. Très bien.
Salzbourg, contre que ça, pas de soucis, tu peux traverser toi. Doctrine diplomatique. Diplomate plus 1. Ouais, ça, j'annonce, on prend. Diplomate plus 1. On va mettre un autre diplomate sur les pays outre nos dépendances. Voilà. Et ça fait le ding-ding, donc on va s'arrêter là. Je vous dis donc bye bye les gens et à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde!